Fait bientôt nuit, quoi. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Apparemment des bêtises. On ferme ça. Donc du coup, on va devoir vivre un peu la nuit. Ce qui est un peu embêtant. Ce qui est un tout petit peu embêtant. Il faut toujours qu'on fasse le café. Il faut que je me rappelle de faire ça. Ça, on va le finir. Ok, très bien. Donc, il s'est passé un peu de temps en fait entre ma dernière vidéo et maintenant. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu l'événement sur The Long Dark. Donc, l'événement était extrêmement simple en fait, dû à la difficulté de l'événement du coup. Et le problème, c'est que je me suis dit, on va pas continuer la survie en intrus. Pas encore. On va laisser passer genre une petite semaine ou un truc comme ça. Pour que je me remette dans le bain pour pas faire d'erreur. Parce que bon, si on fait une erreur, on crève. Donc c'est pour ça. Bon, par contre. Ah oui, on avait laissé des choses ici. Donc, je pense qu'on va bouger. Je pense qu'on va bouger pour un peu. Enfin, partir à l'aventure, quoi. Par contre, il nous faudrait du métal. Je sais pas si on prend le métal maintenant. Ça, on va pas le prendre. Le livre, on a pas besoin. Il y a les flèches. Les flèches, on est obligé de les prendre. On a de la couture. On fait quoi? On prend les deux? Ou on en prend qu'un seul? On prend qu'un seul. On va prendre la caisse. On va prendre ça. La scie. Les petites torches. On va pas les prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre à prendre après? Vêtements, on est bon. Ça, c'est bon. Ça embête un peu. Ok, c'est bon. Je pense qu'on est bon. On va laisser donc les bois ici, hein, ils sécheront et puis voilà, puis je sais pas ce qu'on fera un jour. Si on revient là, on les traitera. Mais nous allons un peu en fait avancer. Alors le problème c'est qu'il fait. Bah ouais, il fait nuit. Donc je crois qu'on a peut-être encore le temps de se déplacer. Alors, il fait pas très froid en plus. Il fait pas trop froid. Eau non potable. Est-ce qu'on a un faitout sur nous? Non, donc on est obligé de prendre celui-là. Fais voir cette eau là dégueulasse. Voilà. Faudrait que l'eau non potable soit différente en fait. Faudrait que ça soit un peu plus jaune ou un truc comme ça. On va faire ça. Et on va partir. Je crois qu'on va partir. On a 41 kilos. Ouais, c'est très bien. On pourrait prendre un troisième. Un troisième. Est-ce qu'on avait récupéré la peau et tout ça? Je sais plus ce qu'on avait fait en fait sur le cadavre, on va voir. On va vérifier. Donc on va descendre vers les fermes. Et on va s'installer vers les fermes, genre là-bas. Celle-là, là. On va d'abord aller ici. Je vous montre avec le point, comme ça c'est plus simple. On va d'abord aller ici, puis après on va se mettre là-bas. Et puis on va voir, hein, on va voir ce qui se passe, hein, comment ça se joue. Non, c'est pas ça. Il y a encore de la viande, il y a les boyaux, ça va. C'est pas très très important. C'est pas très très important. À la limite, les boyaux, j'ai envie de dire. Mais on va jamais partir en fait. Si je commence à prendre tout ce qu'il y a. Donc j'ai pas envie de faire ça. Par contre, là, ça va être pentré, donc on va passer par là. On va pas trop me briser une jambe non plus. Donc ouais, événement sympathique, mais honnêtement pas très 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 intéressant à faire. Surtout avec des problèmes avec les sirops d'érable. Mais ouais, événement fini. Il fait combien? 6 degrés, ça va. Alors, il paraît aussi que maintenant il y a des chips au ketchup et le sirop d'érable qui a été rajouté dans le jeu normal. Donc on verra si on en trouve. Honnêtement, pour nous, ça va rien nous changer du tout. De toute façon, on mange de la viande. Nous sommes un carnivore, nous. Ah, mais voilà. Ah, il fait bon, fait bon. Il y a la corde là. Non, on va pas la. Non, on va pas la prendre. On pourrait enlever notre eau et enlever la viande, mais j'ai pas envie.
On n'est pas pressé, il fait pas très froid, donc autant marcher. Parce que sinon, on va être un peu dans la... Pas trop dans la merde, mais on va devoir aller chercher de la viande à tout prix, on va devoir aller chercher de l'eau à tout prix, enfin en fer et tout. J'ai pas envie de faire ça. On va passer par là. Alors je suis en train de me dire... Ah non, on va descendre directement, c'est plus simple. Parce que sur ma droite, en fait, après la rivière, là, vous voyez là, le lac gelé là. Non, la rivière gelée. Après ça, dans la forêt, il y a normalement une petite maison avec un lieu pour pêcher. Et dans un sens, j'ai envie d'aller voir là-bas. Mais c'est un peu... On va dire que c'est pas sur notre chemin, c'est ça le problème. On va prendre du bois. Est-ce qu'on prend des lapins? Je sais pas si on prend des lapins. Je sais pas. Alors pour le moment, on va aller voir cette maison là. C'est quoi? Je crois que c'est juste un débris en fait. Mais on va aller voir ça. Mais ouais, donc dans, un peu plus profond dans la forêt, il y aurait cette petite maisonnette là. Donc ça serait intéressant. Il y a des lapins partout, c'est cool. Ça serait intéressant d'y aller. Mais c'est ouais, comme j'ai dit, c'est pas sur notre chemin, donc c'est un peu relou en fait. Faire un aller-retour. Il commence à faire nuit par contre. Ou alors peut-être qu'on n'est pas si loin que ça. Parce que là on vient de passer le pont en fait. Parce que moi je suis en train de vraiment de m'éloigner d'où j'ai dit de notre chemin en fait. Donc elle est peut-être pas si loin que ça. Est-ce qu'on y va? C'est ou là en fait, c'est un peu dans le dans cette direction là quoi, en gros. Donc, moi j'ai envie de fouiller, comme ça, très bien. Un tour. Alors, on va monter sur cette dune là, cette butte, et on va regarder un peu droite-gauche, et puis après on fait demi-tour. Si on voit strictement rien, on fait demi-tour direct. J'ai pas envie de geler non plus, parce qu'on n'a pas la vie qui est très très élevée non plus, on n'est pas au max. J'ai envie de sprinter un peu. Non, ça c'est des loups. Ah, je suis peut-être par là, il y a le lac. Non, bon, c'est pas grave. On va faire ce qu'on a dit. On rentre. On va passer par le pont. Et on va faire ce qu'on a dit. Ah oui, par contre, comme j'ai dit, il va faire nuit, donc je sais pas si... En fait, ça va être embêtant pour fouiller les maisons. Donc faudrait peut-être trouver... Je sais qu'on peut dormir dans la petite cabane que j'ai vue, là. La première, là, qui est pas loin du pont. Et après, on pourra dormir dans la deuxième, je crois. Ah, les champignons à prendre. Pont du chagrin. Ouais, on va aller là-bas en deuxième. Alors, on va peut-être dormir dans la première... dans la première cabane. Donc on va sprinter pour se fatiguer. Puis comme ça, du coup, ça nous permettra de récupérer de la vie. Rien du tout. Il commence à faire froid. On va passer par là. Faire un peu attention à la dune. Chasser le lapin, deux lapins. On va regarder le tracteur. Et après on rentre. On pourrait prendre les lapins pour les dépecer, ça nous fera encore perdre un peu de temps. Comme ça on peut dormir. Ça pourrait être une solution. Mais bon après on n'a pas vraiment besoin. On va voir la luminosité en fait.
Je pense qu'on va rien voir. Je pense. Ah, quoi que, ça va. Waouh. Il y a eu un super freeze, un super lag de la pendant la sauvegarde. C'était super bizarre. C'est pas si horrible que ça, niveau luminosité. Enfin, de toute façon, on fouillera quand il fera jour. Mais c'est pas si horrible. Alors, normalement, le lit, c'est quoi? C'est là? Ouais, c'est là. C'est un lit en paille, 2 degrés. Pourquoi tu mets un point? Il y a un objet à récupérer, c'est ça? J'en sais rien. On va prendre le charbon. On a combien de charbon en tout? Ok, d'accord. Va peut-être en me déposer un peu, non? On va faire comme ça, parce qu'on va en utiliser un pour marquer la carte. Oh, un lit aussi ici, d'accord, ok. Plusieurs lits en fait. Bah après c'est des lits de paille, donc bon, c'est un peu normal quoi. On a du bois. Ouais non, c'est la merde quand même pour fouiller. Par contre, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre déjà le bois. On va ressortir histoire de récupérer des choses. Et comme j'ai dit, on va peut-être prendre un ou deux lapins. On va peut-être le faire. Ok, on sort. On va voir un peu ce qui se passe. Ce qui se passe à l'extérieur. Je voudrais bien... Il fait froid quand même. Ah oui, mais non, c'est la nuit, je suis bête. Oh, à chaque fois, le réflexe. On pourrait récupérer un peu de bois. Non, des corbeaux qui passent. Je crois que les lapins sont partis. Je crois qu'ils sont partis. Donc non, on était tout là-haut. Quand même bien haut. Hein. Quand même très très haut. Lapin là-bas. Genre que ça nous fasse passer vers minuit en fait. Le fait qu'on dépasse et tout ça. Et puis après, on dort. Oh waouh. Waouh, ok. Mais ça fait longtemps, ok, que j'ai pas tiré à l'arc. Ça fait un petit moment. Quelle honte. Le truc il bougeait même pas. Je sais pas. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas tiré à l'arc. Hein. Voilà, c'est vraiment ma seule défense. C'est vraiment ma seule défense. J'ai rien d'autre à dire. Ok, on va rentrer. Il commence à faire froid. Ça me fait un peu peur ce lag qu'il y a eu là. Quand... Ah mais ça le fait encore. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est un peu le problème de Winterland quand ils font des mises à jour. Je l'avais déjà expliqué plusieurs fois, mais les mises à jour sont dangereuses avec ce jeu-là. On n'avait pas de lag comme ça. C'est très très bizarre. J'ai vraiment peur qu'à un moment on perde la sauvegarde à cause de ça. Quoi. On perd notre survie. On va recycler ça. Très bien, monsieur lapin. Faites voir déjà notre... Ok, très bien, on va manger ça. Ça se passe tranquillement. Donc on attend que la nuit se... Non, que le jour se lève. Et après, on ira donc à la grosse grange. Et oh, on pourrait sortir. Mmh.
Aurore boréale. Ah bah du coup ça va nous aider. Ça va nous aider. Pour voir un peu mieux. Alors fais voir un peu ce qu'on a. On a des roues. Ah on voit bien là. Ah, je suis content. C'est cool, c'est cool. Je pense pas qu'on va trouver quelque chose d'intéressant de toute façon. Okay. Après on peut monter, à chaque fois je le fais, le fait d'aller là-haut là, mais honnêtement je crois que ça sert à rien. Il y a vraiment rien du tout. Encore moins en intrus. J'ai jamais trouvé de choses en fait, même pas en intrus, donc je sais pas trop. Mais là-bas il y a un emplacement. Ah c'est bête, on pourrait remonter à notre tour pour aller voir le document là avec l'aurore boréale. Ça, ça serait utile. Ouais, non, rien du tout. Ça, ça serait utile. On va faire... Hop là. C'est de la paille. Ah, c'est vrai que là je voudrais bien monter. Moi. Remonter, juste pour aller lire. Je crois qu'il y a un message là-haut à lire. Genre histoire de... Ouais non bon y'a rien, on se casse. Enfin on va... C'est pas encore minuit, on va encore faire un petit tour vite fait, on va regarder un peu l'extérieur avec l'aurore. Un peu ce que ça fait, est-ce que c'est beau. Au final on pourrait même aller à la grange, maintenant que j'y pense. Et on pourrait dormir là-bas. Ouais, autant avancer maintenant. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ah non, il va falloir re-rentrer. Il va y avoir du lag. Oh là là. C'est embêtant, ça. Je vais juste récupérer... On va récupérer le bois. On va faire ça. On va prendre ça. On est à 44. Ça on laisse la viande n'a qu'à la mettre à l'extérieur. Et on va directement tracer à la grange. Comme ça on pourra ou dormir si on est fatigué, ou alors on fouille parce qu'on a de la lumière. L'un ou l'autre. Voilà. Très bien. Par là-bas. Très très bien. Ah, hein, je le répète encore une fois, la vallée... ça fait bizarre cet effet là, on dirait que ça tombe en fait. On dirait que c'est une sorte de rayon, qu'il y a vraiment des aliens et des trucs comme ça. Enfin bref, je le répète encore une fois, mais la vallée charmante c'est plutôt tranquille. Comme j'ai dit, c'est plutôt tranquille. Surtout qu'on est très bien équipé. D'accord. Et rien du tout. Là, ok. Il a eu peur. Ok, il est là-bas. Voilà, très bien. Enfin, c'est même pas la grange ici, c'est la maison de la ferme en fait. Donc il y a des lumières et tout. Honnêtement, c'est un très très bon endroit ici pour survivre. Ah ouais, ça le fait tout le temps en fait, ce problème de sauvegarde. D'accord, c'est super. C'est à tous les endroits, tout maintenant, dès que ça sauvegarde, ça fait un freeze de fou, quoi. On va vraiment avoir un problème avec ce jeu un jour, là. Ah, ça, c'est un backer. On va vraiment avoir un problème avec ce jeu. Et ça, c'est très bien. Ah, on commence à fouiller. Je voudrais bien sortir, mais j'ai un peu peur du loup.
Okay. Bah, on va sortir, on va sortir. Ah, j'aurais dû me baisser. J'ai complètement oublié de me baisser. Il n'y a pas de caisse. La lumière, elle est super forte, je trouvais. Elle éblouit, en fait. Ok, il est là. Il a peur des projecteurs. S'il avance un tout petit peu plus... Je serais pas contre lui mettre des flèches. Mais il revient vite. Hein. Ouais. Un peu dangereux quand même. Oh la vache. Bon, peut-être pas deux, ok? Peut-être pas deux en même temps. Bon, par contre, on va aller dormir, parce que là, il commence à faire un peu tard. On est dans une chambre, là? Non, c'est là. Il y a plein de trucs à fouiller. J'espère vraiment trouver des bons objets. On va boire, on a un peu d'eau, on a un peu de viande. On a des loups autour, donc on va. Je crois qu'on va en tuer un ou deux. Il faut absolument faire le café aussi. Je crois qu'on va en tuer un ou deux le temps. Enfin, pour récupérer de la viande et rester en fait ici pour faire un petit lieu où on peut se remettre, quoi. Je crois que ça serait pas mal. Faut qu'on passe un peu de temps. Ah, ça va. J'allais juste dire maintenant. Ah, on aurait dû prendre ces champignons qu'on a vus tout à l'heure pour passer le temps, mais ça va. Quoique, il n'y a pas beaucoup de lumière encore. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on peut déjà coudre. Il fait assez chaud pour coudre. Je serais pas contre. Je serais pas contre coudre parce que de toute façon on est dans une maison, donc maison veut dire rideau. Donc hop, tranquille quoi. Ouais, je crois qu'on va finir notre épisode ici. Enfin pas maintenant, mais on va faire le tour et tout ça, on va fouiller. Mais ça va être notre camp. Il faut qu'on en fasse un. Faut qu'on en fasse un camp, quoi. Avec des ressources et tout ça. 90, ouais, non, après le reste. Ouais, non, le reste, ça sera un peu débile. Là, mais j'ai rien à faire. Oh, fouille les vitrines. On fouille dans le noir, c'est pas grave. Je vois rien. Ah, des rideaux, oui, en parlant de rideaux, tu vois. Voilà. Voilà, c'est bien. Fouillons. Fouillons. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait trouver ici exactement? Moi, je pense que en vêtements pourrait genre une paire de chaussettes, ça serait bien. Là, les chaussettes d'escalade, ce serait vraiment bien. Les bas rouges aussi, ça on en a pas. Et après, je crois pas qu'on peut trouver vraiment mieux en fait, à part ça. À part ce que je viens de dire. Y a plein de rideaux, on les coupera aussi. Oups, pardon, j'ai lâché. Mais sinon, ouais, non, il n'y a pas trop de choses qui pourraient être intéressantes.
On a beaucoup de bois aussi, de chaises, de tables, de vieux meubles et tout ça. Donc ça c'est bien. Si jamais on veut faire du bois et que par exemple à l'extérieur il y aura un blizzard énorme, où il fait moins 40 degrés et puis on qu'on puisse pas sortir, donc on peut quand même faire du feu. On a aussi, en parlant de feu, on a un... Ah on a ça, on a l'eau aussi. On a du... un six-fois. On a un six-fois, donc on est tranquille pour faire à manger, café et tout ça. Donc c'est bien. On aurait pu même prendre... ouais, non, non, on savait pas de toute façon. Non, j'allais dire on aurait pu prendre... comment ça... La conserve en plus, comme ça aurait été encore plus facile. Parce que là on a quoi? On en a deux, on a conserve et tout. Et après on a encore un faitout sur le feu. Oh, yes. Un livre de couture, c'est magnifique. Un livre de couture, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faudrait que des livres de couture maintenant, honnêtement. Comme ça on aurait beaucoup moins de problèmes. Donc ça nous fait trois choses qu'on peut faire cuire. Enfin bouillir, genre on peut faire trois cafés en même temps. En fait je pense à ça surtout. Et aussi à l'eau, c'est vrai. En parlant de ça, on va d'abord se vider. Elle est où la cuisine? La cuisine est là-bas. Ah, j'ai vu des objets qui traînaient. Alors comme j'ai dit, on va rester là, donc on n'a qu'à faire ça déjà. Voilà. Et c'est quoi qu'on a récupéré? C'était de l'eau. Après on a... est-ce qu'on a un gros meuble? Ouais, dans le réfrigérateur. On fout des trucs dans le réfrigérateur qui est pas de la bouffe. Oh, il y a le métal que j'ai pas pris sur moi. Tiens, maintenant que j'y pense. Maintenant que j'y pense, on n'a pas pris le métal. On n'a pas pris le métal qui était dans la l'armoire. Ça c'est con ça. Ça c'est très très con. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce qu'on n'a pas de métal. Oh, il y a un autre faitout là. On n'a pas de métal. Ça va être trop dangereux. Ça va être trop aléatoire en fait d'essayer de... d'en récupérer, genre d'espérer en trouver en fait, c'est ça le truc. Ça va être trop aléatoire, donc je crois que on va en récupérer là. Ah bah tiens, sirop d'érable, quand on parle de sirop d'érable. Il a 0% par contre. Mais ouais, sirop d'érable de l'événement. Donc 850 calories, et là c'est 450 calories. Ah bah tiens, on peut ouvrir ça. On peut ouvrir ça. C'est bien. Donc ouais, on va être obligé de faire du métal. On va devoir utiliser la scie pour la réparer après. Ah parfait. J'étais en train de me dire, on n'a pas d'ouvre-boîte, donc j'ai pas envie d'ouvrir ça maintenant parce que sinon on va abîmer le couteau. Bah du coup on a trouvé un nouveau boîte. Donc bah tant mieux. Qu'est-ce que je veux que je vous dise, moi? Le jeu est plutôt sympa. La chance est avec nous. Ah oui, c'est l'eau que je voulais poser. Oui, on en a plein. C'est ça exactement ça. C'est vraiment un très très bon endroit ici. Vraiment un très très bon endroit. Et du coup, c'est 850 pour 0,30. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. En intrus, ça aide quand même, hein. Parce que là, on a 1 kg 1100. Et là, c'est à peine 0,30 et on a 800. Et puis pour avoir un steak à 1125, il faut avoir genre cuisine niveau 5. Ah bah tiens, quand on parle d'événements, on a les chips aussi. Ouais, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Bon après, comme j'ai dit, la nourriture, c'est pas super intéressant pour nous. C'est pas ça qui va nous aider ou nous avancer dans la chose, mais
c'est sympathique d'en trouver. Après, il y a le sous-sol aussi à fouiller. On va d'abord faire le rez-de-chaussée. On a un gilet sport détruit. C'est pas le premier qu'on trouve, ça? Non, pas plus. Bon, le blizzard à l'extérieur, il a pas l'air de vouloir partir. On pourrait déjà faire les cafés, ce serait bien. De la nourriture. Ça me fait marrer. Ça me fait marrer de trouver la nourriture comme ça en intrus. C'est vraiment, c'est que la zone en fait elle est très très facile, on va dire. Elle est charmante. Bon, on a tous les rideaux à détruire si on veut du tissu. Et je crois qu'on va les faire. On va faire tous les rideaux et après on les mettra, on mettra les tissus quelque part. Dans le réfrigérateur sûrement. Et comme ça, on aura une petite, comment dire, petite réserve en fait de tissu. Ah, c'est une catastrophe, hein, ça se regarde. Sous-sol de la ferme. Ici, on aurait peut-être de la chance de trouver du métal, mais ça m'étonnerait. Pas mal, pas mal. Télé à tube cathodique. Oh mon dieu. Ça, ça, très bien. Oh, 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 oh. Yes. Yes, ça c'est bien, ça, ça c'est très bien. Ce que j'allais... Bon, j'allais pas me plaindre, mais j'allais dire... Oh mon dieu. Ok. C'est bien de se plaindre quand même. J'allais dire, on n'a pas trouvé de choses très intéressantes. Là, on a trouvé quand même deux choses super intéressantes. On a trouvé la caisse, qui est bien, qui est utile, surtout dans notre petite aventure, là. Et surtout, on a une pierre à aiguiser, là. C'est top. Ah oui, c'est vrai qu'on peut travailler ici. Oh, mais ici, en plus. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il y avait un établi là. Oh. Oh. Ah, là, des vêtements, s'il vous plaît. Oh. Allez, là. Oh, les chaussettes de sport. C'est pas intéressant. Il va falloir faire le tri là de ce qu'on a. Il y a beaucoup quand même. Plein de bois. Et je crois que à la main... Ouais, on peut le faire à la main. Ça qui est bien ici. Genre les chaises, on peut les faire à la main. Les caisses aussi. Une heure, deux heures. Donc si vraiment on veut du bois, on n'a pas besoin d'utiliser des outils, rien. C'est vraiment, vraiment pratique ici. Si on veut pas sortir, je veux dire. On va pas sortir par là. Donc vraiment cool cet endroit. Super simple. Bon, bah, si en plus, boîte en plus, pierre à aiguiser. Dieu, c'est embêtant ça. De la viande. Enfin, non, pas de la viande, de la nourriture. Ah, c'est. Ouais, non, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça va, c'est cool. Ok, faire ça. Si je les mets, ça, ça va les détruire. Ça, on peut les rafistoler. Enfin, on peut pas les rafistoler, on peut les... Les antibiotiques, on peut les déposer aussi. On va les déposer. On a notre livre. On va mettre le bois là. Très bien. Ce qu'on va faire... Ça. On va ouvrir ça au...
à l'ouvre-boîte. Ah, très bien. Ah oui, c'est vrai que ça donne de l'eau aussi. J'avais complètement oublié ce détail. Ça, c'est bien. Comme j'ai dit, normalement, je le mangerai pas ou pleurerai pas parce que bon, on a cuisine 5, on peut le faire, mais c'est vrai qu'en théorie, c'est pas. Voilà, très bien, très très bien. Il faut que je pose aussi ça. Le sac de couchage, aussi, on va l'enlever. Quoique, non, le sac de couchage, il nous protège quand même. Si on sort et qu'on tombe sur des. Enfin, j'en sais rien. On est à 33 kilos, donc 33, c'est bien. Ouais, on va faire un petit tour dehors. Je dirais qu'on fait un petit tour dehors. Par où on sort? On va passer par là. On va faire un petit tour dehors, on va voir ce qui se passe. Ouais, on peut pas chasser avec ce temps là. Juste voir là. Il n'y a pas des bois. Ouais non, laisse tomber. On ira fouiller ça plus tard. On va rentrer. J'aime pas trop entendre les bruits de chaînes. Pour moi, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai jamais été traumatisé par les chiens ou quoi que ce soit. Mais le bruit des chaînes, là, des balançoires et tout ça, ça me rappelle juste genre un collier de chiens, en fait. Et vu qu'il y a des loups autour, pour moi, c'est comme s'il y avait des sortes de loups qui se baladaient et qu'ils ont des colliers de chiens. Je sais pas pourquoi je pense à ça à chaque fois. Juste le bruit comme ça, ça me rappelle ça. Peut-être que le bruit en fait est pas assez fort. Pour moi ça a l'air d'être vraiment une petite chaîne. Vous voyez, genre un bracelet ou un truc comme ça. Ce bruit, c'est ce qui ce bruit me rappelle ça en fait. Ça me donne pas l'impression que c'est des chaînes d'une balançoire. Parce que les chaînes d'une balançoire, c'est des gros maillons quoi, pour tenir la balançoire. Donc je sais pas. Pour moi, dans ma tête, c'est comme ça que ça se joue. Je dis pas que c'est logique, attention, Oh. C'est sûrement même pas logique ce que je dis, mais c'est comme ça ce qui se passe dans ma tête en tout cas. Bon ben qu'est-ce que j'ai que je vous dise? Passe le temps hein. Ou alors on fait le café. On fait le café maintenant, mais on en a pas extrêmement besoin genre maintenant. Je sais pas trop. On va juste te prendre le rideau pour le moment. On va voir si on a un peu de chance. Le temps va s'améliorer. On pourra un peu fouiller aux alentours. Dessiner l'endroit aussi. Dessiner l'endroit surtout. Parce que on a fouillé la voiture, on a fouillé le tracteur. Il y a quelques petits endroits encore qui pourraient être intéressants. Un peu autour, hein, je veux dire, autour d'ici. Et surtout, c'est le loup. Je voudrais bien chasser un ou deux loups. Je voudrais bien chasser un ou deux loups. Histoire de... On a bien fouillé ça, ouais. Où est-ce qu'on va mettre les tissus? Bah, dans le réfrigérateur. Je mets dans le réfrigérateur, en fait, c'est un peu l'endroit... après on pourrait le mettre là, la vitrine. Ouais non mais moi je préfère. En gros la cuisine c'est un peu l'endroit intéressant de cet endroit. Enfin de cette maison. C'est là où vous faites tout à manger et tout ça, et puis il y a le réfrigérateur à côté et tout. Donc on va continuer à mettre les choses ici. Hop, et on va en récupérer 10. Très bien. Qu'est-ce qu'on a récupéré de... Rien, on a rien de spécial. Il y a la scie. La scie, je crois qu'on va l'utiliser pour scier des choses. Genre, on pourrait peut-être même le faire maintenant, avant que j'oublie. Genre, des trucs à la con, comme ça. Voilà. Si on a une troisième scie, la scie, elle est un peu abîmée, celle-là, donc autant l'utiliser. À l'extérieur, en bas, il y avait des choses aussi à scier. Tout ça pour récupérer le métal que j'ai oublié, en fait. Vous voyez, je le fais d'oublier des choses des fois, c'est un peu la merde. On a l'étagère, mais ça va prendre quoi? Ouais, 3 heures, c'est bon, c'est pas ça. Et je voudrais des seaux. Je voudrais des seaux. S'il ne faut pas beaucoup de métal, c'est 25% par métal. Donc
C'est juste... juste histoire d'en avoir, quoi. À chaque fois, ça c'est un pot. À chaque fois, je pense que c'est un seau. Non. Bon, mais c'est déjà ça. C'est déjà faut qu'on boive. Bon, c'est déjà ça. Je crois qu'on va mettre ça par terre à l'extérieur pour le garder, le maintenir. Parce que c'est quoi? C'est 1 kg quand même pour 1000. Je crois qu'après on peut garder le... Enfin c'est lourd quoi. Avec maintenant qu'on a le sirop d'érable. Bon bref. On verra ça plus tard. Voilà. On est à 32. Ok c'est parti. À l'aventure! À l'aventure. Voilà, il fait même pas froid, très bien. Alors, je pourrais voir là d'abord et après. Ben, je crois qu'en fait il n'y a pas grand chose au final. Il y a la rivière là de l'autre côté là. Oh. Ouais, non au final bah pas grand chose. Très froid, on peut se balader. Hein. On peut aller là-bas, ouais, pourquoi pas, je sais pas. Jusqu'à ce qu'on trouve des loups en fait. Ah, les gens m'entendent. Par contre, ah, là. On va le faire venir chez nous. Là, il fait moins 5. Eh, ramène-toi. C'est quoi qu'il y a dans le... On dirait des plumes. On dirait des plumes. Ce qui vole. Mais c'est de la neige, en fait. C'est nouveau, ça? Ou c'est moi qui ai jamais fait gaffe? Ouais, c'est moi qui ai jamais fait gaffe. Alors, viens ici. Ah, faut pas se louper, par contre. Vas-y, ramène-toi. On va le tuer là. Il est où ce con? C'est lui là? C'est vrai qu'on est protégé en fait, c'est là. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Ah, mais il est où? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sens qu'on va se faire sauter dessus. Il est allé là à droite? Très bien. C'était... Je sais pas. C'était légèrement étrange ce qui s'est passé. C'est parce que... Il allait... J'ai l'impression qu'il allait sur la viande. Et après moi je me suis accroupi donc il nous a perdu de vue donc... Et après il a arrêté d'aller sur la viande, ça pas de sens. Je sais pas. Je sais pas. Mais après je veux pas dire mais c'était super dangereux le fait qu'il soit aussi proche. Donc c'était vraiment bête de ma part. Honnêtement, je vais être honnête.
On va aller récupérer les boyaux. Ah, très bien. On se réchauffe tellement vite à l'intérieur, on a 32. C'est 32. 32 dans une maison. Vous imaginez? 32 dans une maison. Pour moi, 32, c'est un peu trop dans une maison quand même. La vache. Ah, très bien, on a du plumes. Ça. Très bien. La peau, comme j'ai dit, ça sert à rien. Qu'elle mange. Encore une fois, cuisine. Cuisine, cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger? On peut manger les saloperies. Ça, ça donne pas soif, c'est pas mal. Les chips aussi, par contre. Alors, elle est pas trop fatiguée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on fait? On fait du feu maintenant. Ah, on pourrait faire un feu à l'extérieur, il fait jour. Ah, on utilise la loupe. Nous fait un feu gratuit. Maintenant je dis ça, je suis sûr que le feu il sera parti. Ça, ça nous fera un feu gratuit et après on met le feu à l'intérieur, comme ça on cuit nos cafés et comme ça on n'en parle plus. J'ai aussi oublié de dessiner. On peut faire... Non, on peut pas faire. Je vais voir. Quoi ce bruit? J'entends des pas sur la droite. Tu as des pas sur la droite. Ça, ça vient de la gauche. On y est presque. On y est presque. Très bien. Elle est pas très très... grande la torche, mais ça devrait être une catastrophe, hein, cela dit. C'est une catastrophe, cela. Après ça, je vais voir sur les forums si quelqu'un en parle et tout ça, parce que là, ou alors si ça vient de, je sais pas, de mon côté, mais là, c'est pas normal. Même pour, enfin, c'est pas joli, même à regarder, quoi. J'ai l'impression que la vidéo saccade, en fait. Donc, ça m'amuse pas là. Alors on va prendre ça. Voilà. Ouais, c'est ce que je pensais. Très bien. Voilà. Et il nous en reste un? Non, 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 5, c'est ça. 4, 5, ouais, non, c'est bon. Bon, bah c'est parfait. Comme ça, ça c'est fait au moins, on n'en parle plus, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est fait. Ce qu'on va faire après, on va faire... on pourrait faire cuire la viande, ou alors on fait cuire de l'eau. Je sais pas trop. C'était de quel côté? C'était là le loup? On va récupérer la viande. On peut peut-être faire cuire les trucs en même temps, les quatre en même temps, et on fait de la viande. On fait de l'eau après. Hop, 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 hop. Ah, tout est fait. C'est ça, ça c'est pas mal. C'est vraiment, encore une fois, je le répète tout le temps, mais une fois que vous avez la cuisine 5, chaque endroit, en fait, est un vraiment un camp facile à créer, quoi. Hop, hop, hop. Alors, ça, toi, tu te mets là. Ouais, très bien.
Alors, 40 minutes. Voilà. Ah, c'est beau. On va prendre des bateaux. On va détruire celui-là qu'on a. Bon, bah voilà, hein, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. La prochaine fois, on va faire comme ça chaque épisode dans la vallée Charente. Chaque épisode, on avance en fait, comme ça on ira plus vite. Parce que c'est vrai que la dernière fois, bon, on était un peu bloqué en fait à la tour. À cause du fait qu'il y avait un mauvais temps et tout ça. Donc c'était pas trop de notre faute vraiment. Mais on va essayer d'avancer. La prochaine fois. Je dirais que. On pourrait aller à l'autre ferme directement. Il y a encore des... Ouais. Genre on fait ligne droite en fait, en plein milieu. Et on pourrait faire ça. Et après, après cet endroit, on pourrait aller dans la ville avec l'église et tout ça. Je crois que ça peut être pas mal. Genre ça ferait... Ouais. On pourrait même passer à l'église et tout... Enfin, dans le petit village là. Attendez, je peux le montrer ou pas? Ah, j'ai pas dessiné. J'ai complètement oublié encore. Ça... Ça, il reste quoi, 39 minutes. Ça va. C'est parfait. Je vais voir si on peut dessiner. Encore. Je crois qu'il reste tant. Il fait encore assez jour. Je suis pas sûr. Yes. Yeah, ok. Donc on est à la ferme. Donc attendez, si la carte est comme ça. Donc ici, on a la grange. Donc c'est l'endroit que je veux fouiller. Et après, du coup, parce que vu que la route, elle fait comme ça. Là, ici, on a le village. Donc on pourrait faire prochain épisode, grange ici. Et après, l'épisode d'après, village. Après la grange, il n'y a pas grand-chose dedans. Honnêtement, c'est petit. Donc ça m'étonnerait qu'on trouve des choses intéressantes. Donc on pourrait peut-être directement faire village. Ouais, je vais être honnête. Donc on pourrait faire ça. Voilà. C'est mon explication. C'est notre plan. Et après, une fois qu'on a fait ça... Oh mon dieu, on voit rien. Une fois qu'on a fait ça... Attendez... Je vois rien en fait. Ah merde, ça s'éteint. Je vois rien du tout. Non. Okay. Je voulais rallumer la torche. Ah, attendez. Putain, je vois rien. Il faut que je me repère aux fenêtres en fait. Là je peux monter, oui. Oui, on est sur les escaliers, yes. Ok. 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 On a les fenêtres. Ça je crois que c'est les toilettes. Toilettes, ok. C'est les toilettes. Donc là... Mon dieu. J'arrive pas à avancer. J'arrive pas, je sais pas. Je veux pas, c'est bon. Table. Non, on peut pas dormir sur une table. Non, il est où le lit? Non, on peut pas. Lit. Yes, ok. C'est bon. J'ai pas déposé la viande. C'est la merde. C'est pas grave. De toute façon, on en a besoin. Donc oui, on fera ça. Donc on fera donc ferme. Et après, genre village. Et après ça... on ira au site de crash avec l'avion et tout ça, et il y aura sûrement plein de débris. Je pense pas vraiment qu'on trouvera grand chose, honnêtement, parce qu'on est en intrus. Mais on fera ça, et une fois que ça sera fait, on est bon pour partir. On est bon pour partir au Mont Timberwolf. Donc la vallée charmante, il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Alors après, il y a une partie de la vallée charmante, attendez, je vais vous montrer. Genre comme j'ai dit, alors, ferme là, village là, ça c'est la route.
Après, nous, on va aller par ici, c'est où c'est qu'il y a le site de crash, et après, par là, c'est le mont Timberwolf. Alors, il y a toute une zone ici. Et si je dis pas de bêtises, ce sont des caches, en fait, qui n'apparaissent pas tout le temps. Mais il n'y a pas de bâtiment, en fait. Les caches, ce sont des sortes de trappes, en fait, au sol. Et bah, c'est un peu emmerdant, en fait, de les trouver, quoi. Surtout en intrus. Bon, après, c'est vrai qu'il fait pas extrêmement froid non plus la plupart du temps ici, mais bon, je préfère ne pas y aller. Mais c'est vrai qu'il y a une partie ici, on pourrait le faire aussi. Mais ouais, mais c'est pas vraiment super intéressant, honnêtement, de faire ça. Bah, du coup, on va dormir. Bah, du coup, c'était une bonne journée. On va faire ça, recycler. C'était une très bonne journée. On a récupéré des bonnes choses. Genre la scie métal, la caisse, la pierre à aiguiser, très très bon. Tout le tissu, très très bon. On a eu des calories aussi gratuites. On a pu faire tous les cafés. Ouais. Et on a trouvé ça aussi. Couture facile, ça, il faut qu'on le lise parce que la couture, c'est un calvaire pour monter. Accommodage. On a trouvé des bombes de pain. Ouais, non, honnêtement, on est bien là. On est bien. C'est cool. Comme j'ai dit, cet endroit est cool. Et on a trouvé des allumettes en plus. On a plein d'allumettes maintenant. On a plein, plein d'allumettes. On va boire un dernier coup, puis après, on va dormir. En tout cas, merci beaucoup de continuer à regarder cette série. C'est la saison 5, du coup, cette saison-là. C'est celle où on a fait le plus d'épisodes pour le moment, qu'on avance le plus. Parce qu'à chaque fois, on a dû arrêter parce qu'il y a eu des changements avec le jeu et tout ça, et tout, des rajouts de nouveaux gameplay et tout. Mais là, du coup, ouais, vu qu'il y en a beaucoup moins des changements de gameplay, là c'est vraiment la saison où on reste dessus. Donc c'est plutôt sympa. Et tant qu'on n'a pas fait toutes les zones, et tant qu'il y a encore quelques aventures à faire, je continuerai. Donc on en a encore pour un moment. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine.